C'est parce que j'ai le bras mal placé, ça. Ah ouais. Du coup, c'est ici. Il faut faire ça, faut faire ça. Patapatu, qu'est-ce que tu fais? Le carré, le carré. Mais dégage là ta planche! Si elle t'emmerde! Le car, hop, hop. T'as pas acheté. T'es nul, t'as pas acheté. Ah, j'avoue, il m'aurait fallu un quart. Ah, cool. T'as pas bougé. D'accord. Oh là. Non. Oh merci, une musique cool. Pousse-toi, lève-toi, pousse-toi, avance. Hop. Le poteau, là, le poteau. Ah, il est chiant. Ça, j'ai pas besoin. Là du coup il faut bah, la barre comme ça qui va pas mettre. Même si je mets une barre comme ça, t'es vraiment chiant. Bah, d'ailleurs on va la mettre. Oh, faut que je fasse tout le truc. Faut que je fasse tout le truc là. Là y a pas besoin. Là, il n'y a pas besoin, et là j'ai un carré qui va devoir voler, donc je vais devoir décaler le problème. Non, fais pas ça, suis le move. Qu'est-ce que tu fais? Fais, eh, hey, mais hey, arrête de bugger. C'est bon. On a, c'est bon. C'est fait, arrête de bugger. C'est bon maintenant. Moi j'ai arrêté de bugger. Alors à toi d'arrêter de bugger. Merde. Ah non, faut que je recommence. Tac. 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 C'est au-dessus. Putain. Faut un quart, là. T'as tout ça pour mettre. Juste deux barres à la con qui a pas besoin, quoi. Hein? Il est con ce jeu. Ok, c'est pas normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est logique en plus, c'est logique, c'est pas un carré normal, c'est logique, putain. Mais ça me rend ouf, ça me rendra toujours ouf. Hop. Putain, j'ai plus qu'une bâche là. Non, fais pas ça, fais pas ça. On verra si ça donne bien, mais pour l'instant. C'est ce que je veux faire moi. Aïe. Attends, laisse-moi regarder un truc là. C'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Okay. Là, il doit y en avoir une aussi. Genre en dessous là. Finir le pignon.
Oh merde. Ah, ben la pute. Choup. Il y a pas mal de femmes qui jouent à The Forest, en fait. C'est un truc de ouf. Ça, j'en ai plus besoin. Connard. Ensuite, il me faut une demi. Ah, j'ai laissé les poutres entrées et tout au fond, j'ai pas vu. Pff, oh, ça va être chaud à viser ça. Non. Hop, ça s'enlève pas, c'est ça? Ok, allez, dégage. Je sais pas pourquoi j'ai un doute. Tu vas pas tout casser? Bon, vas-y, je vais aller sauvegarder. Vas-y, avance. Ça fait un moment que j'ai pas save en plus. Ah, c'est drôle ça. Ah là, c'est l'extrémité, c'est pour ça. Du coup, c'est problématique là, je peux pas monter. Vas-y, je monte avec ça. Oh merde! La mécanique de bûche courte, mais elle fonctionne bizarrement. What? Attends, elle fonctionne chelou là. Et je peux la monter pour voir ce que tu fais. Oh, t'es pas drôle. Que tes bûches courtes de merde là. Ouais, bon, elle va me faire chier. Elle, je suis là en train d'essayer d'aller l'atteindre. C'est bon, va saouler, casse-toi. Voilà, dégage. Pour me faire chier pour rien, quoi. Bah, diable, tomber dans le trou. Bon, ça, plus besoin, du coup. Ça vole, là, il y a un carré qui va voler. Donc, ça, c'est un carré volant. Donc, il va falloir décaler le problème. Quoi, t'avais pas vu? Ça fonctionnait avec le flingue de détruire les poutres en treillis.
J'ai pas arrêté de faire ça l'autre fois. On regarde pas les rediffusions, hein. Ça se voit. Hein. Mais super la technique en tout cas, ça marche avec le sniper, le fusil à pompe. J'ai adoré. Tac 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 toc. Ensuite, on tape la bûche là du coup. Ah oui, c'est vrai que toi t'es en trop. C'est pour ça que ça m'emmerde. Je me disais aussi, c'est bizarre. Ah, tu finis. Ah, ok. Pourtant, je l'ai fait assez souvent. Ça fait un petit moment, je crois, 2 semaines, 2-3 semaines que je connais ce délire du flingue. Mais bon, après, quand tu regardes un stream et que tu fais autre chose à côté, tu vois pas souvent ce qui se passe, quoi. Bah, ça s'enlève toute seule, non? Non? Ah, ok. Et elle non plus? Ok. Voilà. Et elle s'enlève pas toute seule? Ok, bah, dégage, hein. En 2024, c'est rare de regarder un stream et seulement de regarder le stream, quoi. C'est rare. Hein. Bon, je suis pas trop fan des deux trucs sur les côtés, mais je suis obligé de les faire. Qu'est-ce t'as fait? Merci. Vas-y, dégage toutes tes merdes. Je suis content, j'ai de l'eau. Tiens, joue un peu avec la zipline. Ah putain, du coup, ces bûches sont finies. On va éviter de jouer avec la zipline alors. Ce jeu. Ok. Destruction. Là, voilà. Hop. 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 On pourra faire les escaliers. Ah ouais. Ah, il y a un truc là. Un peu petit trou. Un peu petite. C'est parce qu'elle a sa forme chelou en fait qui fait que on a l'impression qu'elle est un peu petite. Mais du coup, celle de devant, elle devrait être un peu plus petite. Donc genre celle de devant, je la ferai le pignon, je le fais ici, pignon ici, et je descends, ouais, je vire ces cases là en fait. Je décale ça ici, et du coup ça fait 2 cases en moins là. Bah c'est pas mal. Hein. Hop, hop, plus qu'à
faire l'escalier. Du coup, critical, faut que je te montre un truc. Regarde un peu ça. J'ai découvert grâce à cet escalier une mécanique hallucinante qui me permet de faire une bûche longue, très longue, ce qui me permet de faire un toit très long parce que je peux faire des bûches de 7 quarts. Et le plus fou dans cette histoire. Attends, le plus fou dans cette histoire, c'est ça. Matt, la taille de la bûche. J'adore ce bug. Et quand tu la reprends, hop, elle est normale. Je trouvais ça tout à l'heure en faisant la rampe là. J'étais mort. J'étais un peu sur le cul au début, mais après, j'ai fini par en rire, quoi, parce que c'est trop cool. Regarde, tu vois, je vais mettre sur un demi ici, parce que là, c'est sur des demi, donc j'ai voulu faire pareil. Et je prends, ça marche pas. Donc je fais, bah merde, bah tant pis, je vais te la faire à l'envers. Je prends la bûche, je fais ça, je prends mon truc, je le pose comme ça. En disant ouais, il suffit de faire ça, tu vois, et puis t'arrives, et puis hop, tu coupes, et paf! Et je trouve que j'ai été un peu plus bas parce que je me suis trompé, et du coup, j'ai vu un super long truc. Et du coup, j'ai fait ça. Voilà, donc Sans a des petits côtés cool, mais par contre, quand ils vont corriger ces bugs, ça va être chiant, donc j'espère qu'ils toucheront à leur cul. On peut faire des rambardes dans le jeu, mais comme ça je peux faire ma rambarde en fait, parce que sinon je peux pas la faire. Mais ouais, ils ont juste à toucher à leur cul là, les développeurs, et puis c'est bon, on est tranquille. Hop, hop. Et tac, voilà, l'escalier il est fait. Bon, après, la mécanique de plateforme volante a déjà disparu une première fois et elle est revenue. Dans The Forest, elle a disparu 4 fois. 3 ou 4 fois, elle a disparu. Donc, et elle est toujours là. Donc, j'ai peut-être pas d'inquiétude à me faire là-dessus. Mais sur les autres, bon, c'est inquiétant. Ah non, mais ça, c'est clair, hein, The Forest... Les gens, ils ont kiffé, ils parlaient de ça aux autres streamers, aux gros streamers, hein, parce que, ouais, on fait des trucs de fou sur le jeu et tout. Mais bon, après, les autres streamers, ils ont été joués pour jouer au jeu, quoi, ok. Ils ont pas fait des constructions phénoménales non plus. T'en as sûrement 2-3 qui ont fait des trucs de fou. Surtout les mecs qui font des vidéos YouTube qui ont fait des trucs de fou. Bon, bah, ouais. C'est vrai que le poteau ici, je l'aurais peut-être vu un peu plus haut. Bah, j'aurais dû le faire un peu plus haut. Mais l'objectif, c'était qu'il était déjà plus haut. Mais comme je me suis fait baiser parce que le jeu, c'est un connard, j'ai fait une variante. Du coup, bah, c'est un peu, c'est un peu ric-rac, quoi. Ah mais en plus ouais, The Forest, tu découvres toujours des trucs, hein. C'est un truc de ouf. La dernière fois que j'ai joué, j'ai encore découvert des trucs en fait. Donc tu découvres toujours des trucs sur le jeu. C'est hallucinant. Oh, je suis content. Voilà sa petite gueule. Vas-y, ça me stresse, ces bûches dans le lac là. Putain de jeu de mal fait là.
planter les bûches dans le lac, il a traversé le lac ce con. Ouais, je peux pas remonter, super. C'est bon, j'ai une tyrolienne maintenant. Bah moi ce qui m'a fait rester sur The Forest, c'est que je trouvais toujours des nouveaux trucs à partager aux gens en fait. Donc au bout d'un moment, j'ai pété des câbles, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant longtemps The Forest, bon, je suis pas retourné depuis longtemps aussi. Mais j'ai arrêté et en live j'ai fait du State of Decay. C'est là où j'ai commencé à live en fait. C'est que j'arrivais plus à suivre pour la chaîne. Niveau du montage et tout, j'arrivais plus à suivre du tout, j'en pouvais plus. J'ai fait des parts de dépression, j'ai arrêté de la chaîne, elle est morte pendant longtemps, il n'y a rien eu. Ça a été trop compliqué pendant un temps. Après je me suis lancé dans les lives, c'était beaucoup plus simple et maintenant je fais que ça. Mais j'aimerais bien faire des astuces pour Sons of the Forest, mais il faut qu'ils arrêtent de trifouiller le jeu quoi. Mais c'est pas The Forest qui va faire une dépression, c'est plein de trucs. Cumule de plein de trucs et du coup bah la chaîne elle s'est arrêtée à ce moment-là. Ça me gêne un peu, putain. Mais je peux, si je le casse ce carré, tout ce côté de la voile il se casse la gueule. C'est drôle comme truc, hein. Bah stream, c'est pas, y a pas vraiment à savoir. Enfin, je sais pas, c'est. J'ai lancé et puis bah ça s'apprend au fur et à mesure. Tu sais qu'il faut meubler un stream, donc il faut souvent blablater et bah, il faut être bavard déjà. Parce qu'un stream quand il est pas meublé, moi j'ai vu des streams The Forest où le mec il parle pas, il est là, t'entends le feu de camp, t'entends le bruit des cannibales. Merde, c'est putain d'austère quoi. Y a pas de musique en fond, il se passe rien. Donc c'est un peu chiant. Bon, des fois ça m'arrive de faire des temps morts et tout, mais l'objectif c'est vraiment pendant ton live de parler tout le temps. T'as tout le temps trouvé un truc à dire. Donc c'est compliqué quoi. Ça s'apprend. C'est comme les vidéos, le montage au début. Ouais, je suis sûr que si je fais un truc où je regarde mes premières vidéos, je me tape des barres. Ça doit être tellement dégueulasse. Déjà le son était dégueulasse. La qualité bon bof, et puis le meublage, oh, c'était austère, c'était là tout lent, c'était aucune dynamique dans la voix, y a rien, ça doit être marrant à voir, putain. Enfin pour moi, pas pour quelqu'un qui regarde la vidéo, mais pour moi ça doit être marrant parce que je vois l'évolution et tout, ça doit faire triper. Pourquoi il y a deux poteaux là, je sais même plus. Ah oui, j'avais besoin de monter. Ah ouais, oui merde, j'ai pas fait en plus là. Ah si, j'avais fait, mais j'avais dû enlever parce qu'en haut il voulait pas me faire les barres. Ouais, c'est vrai. Même les premières constructions, je suis sûr, je vais rigoler. Je vais voir plein de défauts que après je les corrige, mais je vais voir plein de trucs. Ça va être marrant, putain. Que je fasse ça un jour, je regarde 2-3 vidéos, voir je sais pas quoi regarder, est-ce que je regarde des astuces, je sais pas. J'en ai beaucoup trop en fait. Du coup c'est compliqué. Bon là faut faire tous les murs, j'ai toujours la flemme. Là faut faire le truc, ça fait 6 heures de live, je peux pas finir le pont. C'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop chiant. Faire ça en début de live. Ça, faut faire en début de live, c'est trop le chaos. Bon, là, j'ai mes deux escaliers. J'ai la cabine du capitaine, il faut faire les murs. Là, je sais pas comment faire la barre. La barre ronde, là, je sais pas. Là je sais quoi faire du coup, faudra faire ça, mais avant il faut faire le canon du coup.
Et après, c'est un prototype, il sera pas placé ici. Ça sera pas placé ici. Ouais, après, ouais, il faut de la concentration. Donc c'est compliqué dans certains jeux surtout de communiquer avec le chat. Genre tu me prends un Far Cry, je peux pas communiquer avec le chat, je suis beaucoup trop focus sur le jeu. Tu prends un The Forest, j'ai le temps. Tu prends un Grand Dead, si j'y vais pour du build, j'ai le temps. Ça dépend de ce que je fais. Merci, je fais ce que je peux, tout ça. Oh, fais que des conneries. Bon, c'est pas grave, prends la flèche là-bas, de toute façon, la poutre en treillis sera mise de ce côté. Ah oui, je voulais faire ça plus haut, c'est vrai. Après, si j'ai fait plus bas, je pourrais faire une rambarde au-dessus. Du coup. Bon, attends, je vais faire deux tests. Si j'ai un canon haut comme ça ou un canon... Ah, c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Après, sur des petits quarts, peut-être que ça donnerait mieux. Faire un autre test à côté. Mais bah, casse-toi alors! Qu'est-ce qu'elle est con! La bûche de merde! Ok, on va dire que j'ai rien vu. Ça dégage. Je sais pas, je pense que je préfère aller sur le deux étages. Ensuite, faut faire le mur. Canon, bah on connaît. Voilà, tu peux faire juste même une ouverture comme ça, mais ça fait un peu plus stylé avec une grosse ouverture, je pense. Parce qu'on voit comme ça, il est bien décroché du reste. Et ici, je pourrais faire un canon avec un truc au-dessus, genre. Oh ouais, ça pourrait même faire ça, oh, c'est stylé. Voilà, tu fais un truc comme ça. Hop, ou un truc comme ça. Pas lequel prendre. Parce que là c'est sur un truc large, là c'est sur un petit. Ok. C'est qui bon. Ok, lequel est le mieux? Je trouve un peu ridicule. Et celui-là, du coup, bah, il est large et ridicule. Et celui-là, je sais pas. Enfin, c'est parce que c'est le premier que j'ai fait. C'est canon, oui, bah. C'est vraiment canon, quoi. C'est des canons. Du coup, ça donne quoi on peut voir ça de ailleurs. Hein. Franchement, je préfère quand ils sont enfermés au-dessus d'un truc. Hein. Enfin, avec la bûche au-dessus. Hein. Je sais pas, j'hésite. Ou alors, je pourrais faire les deux types. Sur le côté, je vais tous désencastrer. Et sur le bord, je fais des comme ça. Sur la pointe. J'en mets un ou deux comme ça. Et là, je fais que désencastrer.
Ça pourrait être cool. Du coup, bah c'est Critical qui va choisir. T'es toute seule dans le chat, tu vas choisir. Tu préfères quoi, du coup? Soit on fait que des comme ça, soit je fais que des comme ça, soit je fais ce que je viens de dire. Ok. Ouais, ça donnerait un style, ça ferait pas les mêmes, tu vois. Puis même sur les bateaux, il y a là, ceux à l'avant, ils sont, je sais pas, genre, ils sont plus hauts que les autres, non, je sais pas. C'est pas les mêmes, j'en sais rien. Mais ouais, ça pourrait le faire. On pourrait même mettre des lumières sous le bateau. Ça serait stylé, hein. On peut prendre le câble, là? Ah, putain, dommage. Ça aurait été trop cool, mettre des lumières sous le bateau. Ah, la musique de The Forest. Ah, les musiques de Gabe Castro. Ils sont de la balle. Ah, faut que je décroche ça, là. Donc là, les encastrer, ok, mais ça c'est trop large. Faire un petit. C'est mieux petit comme ça. Attends, pousse-toi, parce que là, je crois que tu me gênes. Ah ouais, merde. Bref, il faut les faire avant de faire le mur. Après, ouais, il y a aussi le fait que, bon, ouais, les navires, c'est pas trop mon truc. J'ai pas vu beaucoup de bateaux dans ma vie. Ou alors je fais pas gaffe aux détails parce que ça m'intéresse pas et du coup voilà, j'y suis allé un peu en improvisation et la voile j'ai regardé un peu sur internet mais il y avait tellement d'exemples que j'ai improvisé aussi. Du coup j'ai fait un bateau sans vraiment savoir comment on fait. Hop. Après, j'en avais déjà vu un sur Sons of the Forest, donc bon, peut-être que mon cerveau inconsciemment il a pris des inspi. Ouais, puis il y a plusieurs styles de navires, il y a plusieurs styles de voiles, c'est un enfer. C'est dommage parce qu'il y aura pas, je puisse peut-être un canon ici. Canon ici. On va faire un canon ici aussi. Il n'y a pas un seul car qui traîne. Hop. Hop. Ta flèche, c'est ça, mets la bûche du bas, comme ça elle est mise.